Bonjour, je m'appelle Sergio Garcia et je suis professeur de violon. Ce matin, nous allons parler sur la position du corps avec Maïwenn. Nous avons trois étapes. Tout d'abord, la position du corps, c'est-à-dire les pieds. Ensuite, la position du violon sur l'épaule. Et la troisième, évidemment, la position de l'archet. Donc, la position du corps. Nous voici avec Maïwenn. Alors, dis-moi, Maïwenn, est-ce qu'on pourrait jouer comme un clown, comme ça? Oh, c'est pas possible, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va faire la position salut. Hein? Allez, tu sors tes jambes. 1, 2, 3. Bravo. Ensuite, la position papillon. On va écarter les jambes. Très bien. Super. Tu vas plier légèrement tes genoux. Super. Là, tu es prête pour placer ton violon, n'est-ce pas? Ensuite, bien évidemment, on va placer le violon. Alors, tu es prête, Maïwenn? Bonjour les canards! Coin, 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 coin! Il attrape son violon vers les gens. Au soleil, couché. On doit bien placer le violon sur l'épaule et bloquer les violons. On va le bloquer? On va voir s'il reste collé. Ah oui! Oh, super! Il est bien placé. Tu places ta main? Attention, on décolle bien. Quelle belle position. Très bien, donc maintenant, on va continuer. La main droite. Je tiens mon archer avec la main droite. Super. Attention, stop. Fusée. Sous-marin. Je remonte doucement. Attention, le papillon, il se prépare. Il s'approche. Tu poses délicatement. Super. Deuxième étage. Tu es prête? On va jouer la variation. 1, 2, 3, 4. Bien, donc maintenant, vous connaissez très bien les trois positions essentielles pour bien jouer du violon. N'oubliez pas, je me tiens droit, je place mon violon bien sur l'épaule et mon archet parallèle toujours près du chevalet. Merci.